Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous en parler d'une petite information, pour vous parler, oui, de vous parler d'une petite information. Que les camions de banque, ils sont de retour, pour les personnes qui ne savent pas, qu'ils ont jamais vu un camion de banque sur GTA. Ça se peut, il y a des personnes qui rejoignent GTA et qui connaissent pas, je mettrai des photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. À peu près, je pense que vous n'êtes pas trop bête pour savoir à quoi ça ressemble, mais je vous mettrai quand même des photos pour les personnes qui veulent voir le retour des camions de banque. Il y a 15 jours, en fait, je vous dis ça, mais parce qu'il y a 15 jours, ou une semaine, 15 jours, je sais plus, j'ai joué sur GTA, donc un week-end, un vendredi soir, je crois. Bref, j'ai joué avec la team Derby, on était en train de faire l'activité PDG avec les vols de voitures. Et en fait, j'étais dans l'hélicoptère, j'étais en train de conduire, et au niveau de la route, j'ai mis un point, on va aller voir, je vais vous montrer tout de suite. Au niveau de la route, en fait, j'avais vu un camion rouler plutôt. Désolé. Et ok, donc du coup, moi, je voulais pas trop, donc j'étais au niveau de la route. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à le voir. J'ai vu un camion vert et blanc. Donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre, un camion comme ça qui se balade sur Los Santos, il n'y a pas de point. On n'était pas beaucoup dans la partie. Donc c'était un peu bizarre, on n'était pas beaucoup dans la partie. Et j'ai décidé de descendre, prendre un véhicule, descendre pour aller voir. Donc du coup, j'ai mis une bombe collante sur la porte, c'était bien un camion de banque. Et du coup, bah, en mettant la bombe collante, en fait, ça a rien fait, ça a pas fait exploser les portes. Oh, ça a fait exploser les portes, mais il y avait rien dedans. Voilà, c'est pour ça que je dis ça a rien fait, mais il y avait rien dans le camion. Pas une thune, pas un lingot d'or, rien du tout, nada. Comme si, en fait, je me suis fait avoir ça en disant, ouais, t'as dépensé une bombe collante pour rien. En gros, c'était ça. Donc, est-ce que je suis le seul à l'avoir vu? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu? Je pense peut-être, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires si vous l'avez vu aussi. Dites pas ça pour me faire plaisir. Non, je déconne. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez vu un camion de banque. Je sais pas si ça va être pareil sur les autres consoles PS3 et 3.6. C'est à vous de me dire. Donc, en fait, en gros, l'information c'était que GTA, il disait que j'avais entendu dire. Après, je pense que c'est vrai. Parce que s'ils ont fait le retour des camions de banque, ils disaient qu'en fait ils allaient remettre les camions de banque sur GTA parce qu'ils en ont marre qu'il y a trop glitch. D'argent, et c'est pas une bêtise, je me suis renseigné et c'est vraiment vrai, donc je pense que ils vont pas mentir là-dessus pour remettre les camions de banque. Au début, on en avait en mode solo, en mode multijoueur, on en avait au début de GTA. Quand je dis au début, c'est vraiment le début de GTA, et ça a été retiré juste après. Pourquoi on sait pas, parce qu'il y a plein de choses qui a été retirées de toute façon sur GTA. Quand vous regardez en comparé en solo, puis en multijoueur, les animaux, les avions dans le ciel. En mode solo, on avait les avions. En mode multijoueur, on les a pu. Il y a plein de choses qui a disparu. Donc, est-ce qu'ils vont faire le retour des camions de banque ou pas? Je sais pas. Moi, j'avais vu le camion de banque juste ici, à l'endroit où je suis sur la vidéo. C'était ici que j'ai vu le camion de banque. Donc, moi, je l'avais arrêté au feu. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va l'avoir un ou je sais pas? Après, il faut voir si ça vaut vraiment le coup ou pas du tout. Parce que c'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que si par exemple, on est dans une partie publique. Il y a, je sais pas, une trentaine de joueurs. Et, par exemple, il y a un camion pour 30 joueurs, ça va être chaud. Ou est-ce qu'ils vont mettre un camion pour chaque équipe? Après, il faut voir si ça vaut vraiment le coup ou pas du tout. Faut voir l'avantage. Après, pour l'instant, ils en ont pas parlé. Je sais pas, est-ce que ça va être une mise à jour, une prochaine mise à jour qu'on va avoir? Il faut voir, c'est vraiment le bon vouloir de GTA. C'est eux qui choisissent. Moi, je dis, ça va être pas mal. Parce que ça peut être vraiment pas mal, ça peut être assez cool, ça va être le bordel sur GTA. Par exemple, s'il y a un camion pour 30 joueurs, imaginez-vous dans une partie où vous êtes 15, ou même 30, ça va être le bordel si on est... oui, je crois que c'est 30 maximum, je sais plus, bref. Mais si on est dans une partie comme ça, il y a beaucoup de joueurs, ça va être le bordel. Imaginez-vous un peu les camions qui explosent, les voitures, partout le délire, on pourra pas s'en sortir comme ça. Il faudra faire des équipes et tout, ça va peut-être pas mal. Mais... il faut voir l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'argent ou pas dedans. Pour l'instant, je sais pas. Est-ce qu'ils vont mettre des lingots? Pourquoi pas mettre des lingots d'or? Ou est-ce qu'on va avoir un bon sac de billets? Et après, c'est à voir. Est-ce que c'est une prochaine mise à jour de braquage? Pourquoi pas? On sait pas. Tout simplement, je sais pas. J'ai entendu dire qu'ils allaient remettre les camions de banque. Après, à voir. C'est à voir, suivre, regarder. Ouvrez bien les yeux pour si vous entendez, si vous regardez, si vous voyez un camion se balader sur GTA, prenez-le en photo.
Comme ça, je ne pourrai pas dire que j'ai fumé, même si je fume pas, mais prenez-le en photo. Envoyez-moi-le sur, soit sur Twitter, Instagram, ou sur Facebook, ou n'importe quoi. Sur voilà, vous me l'envoyez. Vous m'envoyez la photo si vous avez vu le camion, vous prenez la photo. Comme ça, vous me dites, bah non, t'as pas fumé, on a bien vu le camion aussi. Donc, on pense que aussi ça va être un retour. Comme ça, je ne serai pas tout seul. On pourra pas dire que je suis fou dans ma tête, tout simplement. Je préfère le préciser. C'est à vous de me dire si vous avez vu aussi un camion ou pas. Donc, après, dites-moi aussi si vous y croyez ou pas le retour des camions de banque. Moi, j'y crois. Parce que, pourquoi pas. C'est à voir tout simplement. Donc, de toute façon, on verra bien par la suite par Rockstar s'ils font une mise à jour ou si ça va être importé comme ça. On ne sait pas encore. J'espère tout simplement que bah, ça va rapporter pas mal de thunes. Parce que c'est vrai, ça vaut le coup d'avoir un maximum de thunes. Et à s'amuser tranquillement sur GTA sans faire de glitch d'argent. Donc tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de laisser des commentaires, donner votre avis sur l'information des Kemon Bonk. Donc chacun donne ses informations, si vous voulez y croire ou pas, donnez votre avis, vous pouvez. Et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo, et ciao bye bye, salut tout le monde.